toujours sur Radio Puzalène en modulation de fréquence 100.9, 99.1 et 92.5. Nous continuons et maintenant nous allons passer à l'interview de Monsieur Christian Laude, qui est donc, je disais, président de l'Association des professeurs d'histoire-géographie de Picardie. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour chers auditeurs. Très heureux d'être ici cet après-midi parmi vous. Alors, tout d'abord, je vais peut-être vous demander, monsieur Laude, qui êtes-vous? Alors, je suis professeur d'histoire et de géographie au lycée Charles de Gaulle à Compiègne. C'est ma cinquième année, après avoir été 10 ans professeur au collège Cloisy. Je préside la régionale de Picardie de la PAG, de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, depuis l'automne 2008. C'est ma 8e année de présidence régionale et je suis enfin secrétaire général adjoint de l'association au niveau national. Alors la PSG, donc, ça s'intéresse aux professeurs et à quoi? À quoi ça sert? Alors en effet, la PAG, c'est une association qui regroupe des enseignants d'histoire et de géographie qui enseignent essentiellement dans les collèges, les lycées et les universités. L'association est une association nationale qui a été créée en 1910. Et cette association, dans les années 1960, a eu une déclinaison à l'échelle régionale, celle de la Picardie. Donc c'est toujours la PAG, donc Association des professeurs d'histoire et géographie de Picardie. Alors en dépit du nouveau découpage régional, avec la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie dans la nouvelle région Hauts-de-France, nous avons décidé au niveau national de conserver deux associations régionales, une pour la Picardie, une pour le Nord-Pas-de-Calais, tout simplement parce que les deux rectorats, les deux académies n'ont pas fusionné, et c'est plus simple pour nous du point de vue du fonctionnement. Bien, et quelles sont les missions alors de cette association? À quoi elle sert? L'association a deux objectifs majeurs. Le premier, c'est celui de la défense de l'enseignement de l'histoire de la géographie. Le second, qui est lié au premier, est celui de la dynamisation, on va dire, du dynamisme de ces disciplines, d'encourager et de promouvoir ces disciplines auprès des différents représentants de l'État, mais également auprès du grand public. Et donc tout le monde, enfin tous les professeurs d'histoire et géographie peuvent en faire partie s'ils le désirent. En effet, l'association est ouverte à tous les professeurs d'histoire et de géographie, même à tous ceux qui souhaitent soutenir l'action de l'association, même s'ils ne sont pas enseignants, même s'ils n'enseignent pas l'histoire et la géographie. Nous avons d'ailleurs compté parmi les membres de l'association certaines personnes qui n'étaient pas des enseignants. Le plus bel exemple en est celui d'Alain Decaux. Ah d'accord, donc des personnes extérieures peuvent effectivement faire partie de cette association et en quelque sorte soutenir cet enseignement. Oui, oui, nous avons toute une série d'adhérents, une partie des adhérents qui ne sont pas des enseignants d'histoire et de géographie, qui peuvent être des enseignants d'autres disciplines. Il est d'ailleurs prévu dans nos statuts que par exemple les professeurs d'économie peuvent également occuper des fonctions. D'accord, très bien, et donc même quelqu'un comme monsieur Alain Decaux. En effet. Oui. Non, mais c'est tout à fait intéressant. Alors, parfois, certains de nos collègues sont historiens, mais ne sont pas enseignants. On a l'exemple de Jean-Luc Rémieux-Briac, qui est décédé assez récemment, qui devait passer le concours de l'agrégation, et puis rattrapé par les événements, par la guerre, il a dû partir donc de France, et est devenu historien, avec le parcours que l'on connaît, mais il n'était pas enseignant. D'accord, mais donc la PSG ne s'adresse pas que aux professeurs. Voilà. Alors l'une des missions, c'est quand même effectivement de travailler pour protéger cet enseignement qui parfois est un petit peu bousculé ces derniers temps. Je sais que bon, il y a eu des heures en moins, et donc votre travail, c'est quand même de défendre cet enseignement. Défendre cet enseignement pour qu'il soit présent, avec un horaire qui permette de traiter d'une manière satisfaisante les différentes périodes de l'histoire. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une question à laquelle on est très attaché. C'est un sujet qui est très important pour notre association.
Bien. Oui, alors c'est un petit peu curieux parce que c'est pas partout que c'est comme en France où les professeurs sont à la fois professeurs d'histoire et de géographie. Il y a en effet ici une spécificité française, celle des liens très étroits qui unissent l'histoire et la géographie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis où l'histoire et la géographie sont des disciplines distinctes, ou encore en Allemagne où là l'histoire est beaucoup plus proche, par exemple, d'autres matières comme la philosophie. Bon, s'il n'y a pas de problème. Ah non, non, bien au contraire, nous avons l'habitude de travailler avec les géographes et d'ailleurs certains géographes sont à la fois historiens et géographes. Oui, ça va tout à fait ensemble. Alors, si vous êtes venu nous parler ici à Radio Puisalène, eh bien c'est parce que il se passe quelque chose d'exceptionnel dans l'Académie d'Amiens, les journées nationales de l'association qui est aussi au niveau national, hein, il y a différents niveaux, il y a les niveaux académiques et puis il y a le niveau national, et donc les journées nationales vont cette année se passer à Amiens. Alors en effet, c'est la première fois que ces journées vont se tenir à Amiens, après les journées nationales de Bordeaux en 2013, de Grenoble en 2010, de Reims en 2008. Donc Amiens va accueillir ces journées nationales, ce congrès national des professeurs d'histoire et de géographie, ce congrès national de notre association, donc pour la première fois du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016, au début des vacances scolaires. Bien, et donc quel va être le programme de ces journées? Alors nous avons centré ces journées autour de deux thèmes majeurs, celui des guerres, tout d'abord, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et de la bataille de la Somme. Le projet est d'ailleurs labellisé par la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est le premier thème fort que nous allons retrouver pendant les quatre journées. Et le second thème est celui des agricultures pour la géographie. Les agricultures, donc à travers la France. À travers la France, oui. Avec une spécificité sur la Picardie, puisque ça se passe oui, là en Picardie. Oui, que nous avons souhaité, lors de notre événement, on a vraiment souhaité mettre en avant le renouveau dans la recherche universitaire et autour de ces questions des guerres et des agricultures, et le caractère novateur de tout ce qui peut être fait en Picardie, puisque ce n'est pas toujours très connu, mais la Picardie est à la pointe du point de vue de la recherche pour les agricultures. Je pense par exemple aux recherches sur les protéines végétales, sur les biocarburants, au pôle de compétitivité. Alors là, donc, peuvent venir dans ces journées monsieur tout le monde. Alors le colloque, le congrès national se tiendra sur 4 jours, du 19 au 22 octobre, et nous avons choisi, et c'est la première fois que l'association fera cela, d'ouvrir le colloque le samedi lors d'un festival ouvert librement et gratuitement à tous. Et d'après ce que j'ai vu, les lieux seront différents. Alors oui, l'idée c'est vraiment que Amiens vive le temps d'une journée à l'heure de l'histoire et de la géographie, que la ville puisse être parcourue dans différents lieux par l'histoire et la géographie. Alors les principaux lieux seront la Maison de la Culture, l'espace de Oyer et le Coliséeum. Et nous aurons un second lieu dans Amiens, qui est celui de la rue de la République, avec le carré de la République, la bibliothèque municipale d'Amiens. Donc nous aurons ces deux pôles le samedi, où les personnes pourront se rendre pour participer à de nombreuses activités. Parmi ces activités, nous aurons, sur la seule journée du samedi, environ 50 conférences autour des guerres et des agricultures. Je préciserai juste après quelques conférences, je vous donnerai quelques conférences pour vous donner l'idée du programme de la journée. Nous aurons une cinquantaine de conférences, mais nous aurons également un salon de l'histoire et de la géographie avec 120 stands environ. Nous sommes à la radio, vous êtes bien... Oui, bon, donc... Des musées, des associations, des sociétés savantes, différentes structures qui représentent l'histoire et la géographie, je vous en citerai quelques-unes également après. Nous aurons des animations et des reconstitutions historiques, des expositions avec des visites guidées, un marché de producteurs régionaux. Donc en fait, il s'agit d'un véritable projet d'ensemble,
un véritable projet d'ensemble qui vise à mettre en avant l'histoire et la géographie auprès des enseignants, mais surtout du grand public. Alors, je pense que le monsieur libraire dont vous m'aviez parlé est maintenant en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc je vais vous laisser parler avec monsieur Laude, qui va vous présenter et puis qui va dire en quoi vous intervenez dans cette fameuse journée nationale de la PSG. Alors, le samedi 22 octobre, lors du Salon de l'Histoire et de la Géographie, il y aura environ 120 stands. Parmi ces stands, il y aura des libraires et des auteurs seront présents pour dédicacer des ouvrages. C'est pourquoi j'ai souhaité associer à cette émission Philippe Leleu, qui est à la fois libraire et éditeur. Donc, il tient la librairie du Labyrinthe à Amiens et il sera présent le samedi 22 octobre à la Maison de la Culture. Voilà, donc Oui, d'ailleurs, je tiens à remercier monsieur Laude d'avoir pensé à associer à cette manifestation les librairies locales et indépendantes. Vous allez présenter un certain nombre d'ouvrages d'auteurs ce jour-là? Oui, alors en tant que libraire, bien sûr, je vais présenter un fonds d'ouvrages qui viendra à la fois du fonds de la librairie du Labyrinthe, mais aussi de livres suivant les sujets des divers débats et de ces journées. Et puis, je suis dans la tradition des libraires éditeurs. Il m'arrive d'éditer 2-3 livres par an. Et parmi ces livres, il y a des livres qui touchent à la fois à l'histoire de la région, mais à l'histoire tout court. Et à cette occasion, il y aura 3 auteurs édités à la librairie du Labyrinthe. Et ces auteurs seront là pour signer, faire des dédicaces. Ils sont là pour signer, ils sont là pour aussi c'est une rencontre aussi, hein, c'est pas seulement signer, donc ils seront là pour parler de leur livre. Mmh. Et il y aura Jacques Darras, le poète Jacques Darras, qui sera là aussi pour participer à un débat, une table ronde, je crois c'est 2 regards sur la guerre 14, et donc il y aura une intervention d'un historien et puis d'un poète. Mais un poète qui est, vous savez, c'est la poésie qui est liée aussi à notre réalité en Picardie. Donc c'est un poète qui a beaucoup écrit sur l'histoire de notre région. Et entre autres, là, il va présenter un livre je pense qu'il va parler d'un livre surtout qui parle de son grand-père pendant la guerre 14. D'accord, donc c'est vraiment en direct sur le terroir. Oui. Oui. C'est ça. Et après, nous avons un photographe amiénois qui a donc fait on a fait ensemble un ouvrage sur les cimetières de la Première Guerre mondiale en Picardie, et nous savons tous qu'il y en a malheureusement beaucoup, ça fait partie de notre paysage, et là simplement on rentre dans les cimetières, et en légende il y a des paroles de soldats de toutes les nationalités traduit en trilingue d'ailleurs, c'est en français, allemand et anglais, et de soldats qui seraient devenus certainement des poètes, des écrivains, mais la plupart sont donc morts sur ce terrible champ de bataille. Oui. Et nous avons aussi un auteur qui a écrit un livre sur la mutation du monde paysan en Picardie, hein, depuis la Révolution jusqu'aux années 60. Oui, très intéressant. Terre Picarde, et c'est un essai d'histoire, là. Vraiment, là, c'est l'histoire pure, on va dire. Voilà. Oui, oui. Et donc ça, si l'on veut voir ces personnes, ça va se passer à la maison... À la Maison de la Culture. La Maison de la Culture. Au niveau du palier, du bar.
Voilà, c'est on sera donc les libraires amiénois sont un peu rassemblés là dans la maison de la culture, chacun son stand et chacun montrera sa diversité aussi. Oui. Et donc ça sera le samedi. Oui, le samedi 22 octobre, voilà. Donc à la Maison de la Culture, et donc c'était vraiment l'idée de réunir les maisons d'édition, les libraires d'Amiens sur. Et puis aussi, il y aura aussi des auteurs qui participent, là qui ne sont pas édités par le Labyrinthe, mais qui participent au salon, qui seront là aussi en dédicace et pour rencontrer les gens. Voilà. Oui, il y aura là d'ailleurs un auteur qui a été interviewé à Radio Puisalène. Sur 1557 Saint-Quentin, le siège de Saint-Quentin. Oui, voilà, oui. Jean-Pierre Crozet, qui sera présent sur la librairie Jean Calvin. Voilà. Bien. Voilà, je pense que c'est. Voilà, j'invite vraiment. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur, quoi. Je crois que c'est vraiment une. C'est une journée ouverte à tous ceux qui aiment l'histoire, la petite, la grande. Et j'espère que. J'espère que si les jeunes viendront. Et pas seulement les étudiants, enfin tous les gens qui s'intéressent à l'histoire tout court, internationale, nationale, mais aussi l'histoire de notre région, parce que c'est une chance cette année si nous avons ces journées là qui se passent à Amiens. Et on a vraiment souhaité mêler histoire nationale et histoire régionale, vraiment qu'il y ait les différentes approches qui soient représentées lors de ces journées. Il y en a de même pour les auteurs. Ça se voit dans le programme. Voilà, le programme est très riche et on doit cette richesse est notamment due au fait que l'on ait associé les auteurs régionaux. Très bien. Voilà. Bien. Oui. Je crois qu'il y aura également des photographies de Monsieur Bouture qui seront exposées de Sylvain Bouture. Ah oui, il exposera une partie des photos donc du livre 14-18 l'impossible oubli en Picardie. Ah oui, c'est vraiment très très riche. Ah oui, et Jacques Darras sera associé à un historien, Philippe Salson, dont les travaux portent sur l'occupation dans l'Aisne. Parfait. Bien. Écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter encore, monsieur. Bon, écoutez, rendez-vous le 22 à la Maison de la Culture. Parfait. Pour ces journées. À bientôt. Bien. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Merci. Merci, au revoir. Bien. Philippe Leleu parlait de la variété des libraires présents et de leur production. En effet, là, nous avons la librairie du Labyrinthe avec quelques auteurs qui viennent d'être présentés, mais nous aurons également la librairie Page d'Encre avec des ouvrages davantage spécialisés et orientés vers la jeunesse. Fabien Grégoire, illustrateur jeunesse, sera présent pour dédicacer des ouvrages. Il participera à une table ronde sur les illustrateurs et les guerres. Nous aurons une entrée bande dessinée avec la présence de Hardoc et de Régis Sautière qui évoqueront la guerre des Lulus. Nous aurons la librairie Bulle en stock qui sera présente. Fanny Michaelis, qui est également auteur BD, sera présente et présentera son ouvrage Le Lait Noir. Nous aurons comme cela différentes facettes qui seront représentées. Enfin, nous aurons la librairie Martel qui présentera des ouvrages d'histoire et de géographie avec une approche plus généraliste. En tout, c'est une vingtaine, 25 à 30 auteurs qui seront présents sur ce salon, dont des styles tout à fait différents. Je pense vraiment que ça peut intéresser beaucoup de monde. Et donc là, le 22, il n'y a pas besoin de s'inscrire, on se présente. Voilà, il n'y a pas du tout besoin de s'inscrire, pas besoin de s'inscrire. C'est ouvert gratuitement, librement au public. Donc si on se met dans la peau du visiteur, celui-ci arrive devant la Maison de la Culture et là, il a le choix entre entrer dans la Maison de la Culture et avoir accès à des conférences, découvrir le salon du livre, ou alors, devant la Maison de la Culture, nous aurons des animations. Des reconstitutions historiques avec des associations. Oui. Donc, juste pour vous donner un ou deux exemples, nous aurons la fabrication de monnaie antique avec l'association des Ambiani, qui est bien connue sur Amiens. Nous aurons également des reconstitutions de combats de chevaliers avec l'association de la Ménie Enguerrand, avec des présentations d'armes de la fin du Moyen-Âge. Oui. Au-delà de ces, faire une petite représentation. En armure, avec des combats. Il s'agit d'une véritable reconstitution. Oui. Nous aurons un campement de la Première Guerre mondiale avec une dizaine de soldats, une dizaine de figurants. Donc ça, ce sont des reconstitutions
devant la maison de la culture. Sur le parvis de la maison. Sur de le culture. Parvis, hein, sur le D'accord. parvis, en accès libre. Oui. Nous aurons également des joueurs de cornemuse avec l'association Samaro-Briva. Oui. Nous aurons tout un volet avec la langue picarde, avec des représentations des chants en picard, notamment avec l'association Acheteur qui sera présente au cloître d'Ouailly avec deux représentations l'après-midi, ou alors les picardisans du Pontueux et du Vimeux qui sont également présents. Oui. Si les personnes n'entrent pas dans la maison de la culture, bah, ils pourront rester dans la rue Marc Sangnier qui est juste devant, juste à côté du parvis, pour découvrir le marché de producteurs. On a un marché de producteurs régionaux avec 20 producteurs régionaux, avec la possibilité de goûter des productions, des saveurs insolites, puisqu'on en a mis en place, en partenariat avec ces producteurs et l'association Terroir de Picardie, un parcours du goût. L'idée est d'amener les visiteurs à découvrir des saveurs inconnues ou méconnues comme la gelée de Casseil, l'argousier ou encore d'autres produits régionaux. Mais on va plus savoir où donner de la tête. Mais c'est bien ça l'objectif, c'est bien ça l'idée. Il y aura des stands, des conférences au Coliseum à l'espace de Ouailly, des expositions. Et on aura également un autre lieu qui là sera dédié entièrement à la Première Guerre mondiale. C'est celui du Carré de la République, rue de la République. Mmh. Au centre, nous aurons une exposition de matériel militaire avec, en partenariat avec l'association du Troubade, dont Samuel Delsart est originaire de Cloisy, Trolibreuil. Et là, autour de cette exposition qui sera au centre du Carré de la République, nous aurons des stands qui seront dédiés à la Première Guerre mondiale. Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, la Caverne du Dragon, l'Historial de la Grande Guerre, le musée d'Albert. Nous aurons François Picardie qui sera également présent pour présenter ces capsules vidéo qui sont accessibles sur Internet. Nous aurons le musée de la Bataille de Fromelles. Cela dépasse, les stands dépassent largement le cadre de la simple Picardie. Ah oui, c'est super! C'est vrai que c'est des journées nationales. Ce sont des journées nationales. Les professeurs d'histoire géographie qui seront présents sur 4 jours sont au nombre de 350, étudiants compris. Et ils se divisent à peu près pour moitié de Picardie. Ils viennent à peu près pour moitié de Picardie et l'autre moitié vient de France. On a deux collègues qui nous font l'honneur de venir de La Réunion, dont le président de la régionale de la PAG de La Réunion. Donc à toutes ces personnes, il faudra ajouter une centaine de conférenciers sur 4 jours, 50 le samedi, en accès libre, donc gratuitement. Et après, donc le grand public qui viendra découvrir l'histoire et la géographie. Donc le grand public, c'est samedi. Le grand public, c'est samedi. Il y a deux autres événements qui seront ouverts au grand public. Le vendredi soir, une conférence à l'espace de Ouailly à 19h. On aura la projection d'un documentaire sur la baie de Somme, réalisé par Jean-Jacques Dubois. Et ensuite, on aura un débat. Un débat avec un géographe, Vincent Bavedin, le réalisateur, Jean-Jacques Dubois, et le maire d'Abbeville, Nicolas Dumont. Donc ça, c'est un autre moment qui sera ouvert au grand public. Et le dernier moment qui sera ouvert au grand public, le vendredi soir, à 19h, à la Maison de la Culture, au cinéma Orson Welles, nous avons la chance d'accueillir un épisode de la saison 7 d'Un village français, en avant-première. En avant-première ? En avant-première, en effet. Pour l'instant, c'est la seule avant-première qui est prévue en France. Oui. Et donc, en présence du réalisateur, et cela reste à préciser, d'un ou deux comédiens. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Ah, parce que je pense en plus que là, ça doit être, bon, c'est en avant-première, mais ça doit être un des derniers épisodes, là, je pense que... Ah, c'est la dernière saison. C'est la dernière saison, là. Oui, oui. Oui, on est dans la dernière ligne droite pour la saison, et c'est notre collègue Marjolaine Boutet qui rédige en ce moment un ouvrage sur un village français qui animera la soirée après l'épisode. Ah oui, bah puis là, bah, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi, justement. C'était très très bien cette série, très c'est agréable. Vraiment une série qui a passionné de nombreux Français. Beaucoup de gens ont suivi. Et il y a vraiment eu une excellente collaboration entre le réalisateur, les acteurs et les historiens. Je pense notamment à notre collègue Jean-Pierre Azéma. Très bien. Alors, ce programme, comment est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, le programme... Il faut aller sur Internet, sur le site Amiens 2016. Donc, vous tapez APHG Amiens 2016 et donc vous arriverez sur un site dédié à l'événement. Et là, vous allez retrouver la grille des conférences, le plan d'Amiens, la liste des stands, la liste des animations avec les horaires. Ça, c'est très important. Hein. Les horaires des visites guidées pour les expositions, la liste des différentes projections, tous les stands qui seront présents pour le marché de producteurs régionaux. Vous aurez également les produits que vous pourrez déguster pour le parcours du goût. Donc tout ça, c'est sur Internet. Vous pouvez aller consulter ces documents. Inutile de les imprimer puisqu'un plan dépliant programme vous sera distribué sur le salon.
Sur le salon, d'accord. Oui, vous aurez tous les documents à disposition. J'ajoute également que vous pouvez venir en famille avec vos enfants voir ces reconstitutions qui pourront beaucoup intéresser les enfants. Et on a prévu également un parcours jeunesse avec un quiz jeunesse, un mot croisé. Donc il faudra aller de stand en stand pour découvrir des mots, pour remplir ce mot croisé. Il faudra, en partenariat avec l'association de la Marché sur la Bulle de bande dessinée, dessiner Anouki. Il faudra également trouver des réponses à des rébus, parcourir donc le salon pour enfin obtenir un cadeau. Ah oui, mais ça, on a marché sur la Bulle et Anouki. Enfin, je ne sais pas pour les autres, mais nous, ici, à Carlepont, nous connaissons bien. Voilà, donc il sera également présent. Cela sera Anouki. Donc un des 120 stands. Alors, quand on dit APHG, c'est en majuscule ou en minuscule qu'il faut taper ? APHG, on peut le taper en majuscule. Marche, j'ai essayé. Ça marche pour les deux. Ça marche pour les deux. APHG Amiens 2016. Donc où le programme sera en ligne. D'accord. APHG Amiens 2016, comme ça, sans point, tout en... Oui, oui. Et ça marche. Sur le moteur de recherche, sur Google, par exemple, on tombe sur le site. D'accord. Parce que moi, j'étais tombée sur quelque chose aussi. J'avais tapé aphgamiens.com. Mais ça a marché aussi. Oui, oui. Donc, je pense que oui. Tout le monde va pouvoir y aller. C'est superbe. Je crois qu'il faut absolument. Ça va vraiment drainer énormément de personnes. Donc, vous avez dit 350 professeurs d'histoire et de géographie et étudiants qui sont congressistes, environ 100 intervenants, avec des intervenants qui viennent de toute la France, avec des structures ensuite dans les stands, pareil, qui viennent des quatre coins de la Picardie et de toute la France. J'évoquais les Picardisans du Ponthieu et du Vimeux. Ensuite, Acheteur vient de Beauvais, l'association du Troubade pour l'exposition sur la Première Guerre mondiale. Donc, elle vient ici de Trolibreuil. Nous aurons la Société académique de Saint-Quentin, par exemple. Donc, nous avons comme cela une multitude de stands, mais aussi le mémorial de la Shoah, le mémorial de Caen, la coupole d'Elfaux. C'est vraiment une très, très grande variété. Oui, les archives nationales, les archives départementales de l'Oise. Nous serons à la fois sur du local et du national. C'est la même chose que l'on va retrouver au niveau des conférences, avec des sujets vraiment locaux, sur les ortillonnages par exemple, sur la Oued et la cathédrale d'Amiens, sur la Picardie, berceau de la préhistoire, sur la bataille de la Somme, puisqu'on a un ouvrage qui vient d'être publié par Philippe Nivet et Marjolaine Boutet. Nous aurons également d'autres approches après, plus nationales et internationales, comme par exemple le monde vu de Russie, où là on est dans une autre approche, on va être davantage dans de la géopolitique, ou alors notre collègue Pascal Boniface qui nous fera une intervention sur pourquoi y a-t-il toujours des guerres au XXIe siècle. On croisera histoire et géographie avec notre collègue Jean-Paul Amat qui nous parlera des forêts, mais les forêts dans la Grande Guerre. Donc c'est un géographe qui s'est penché sur les forêts dans la Grande Guerre. Ils ont souffert. Avec toutes les conséquences en effet que cela a pu avoir jusqu'à nos jours. Ah oui. Donc c'est lui qui assurera la conférence de clôture et il sera présent sur le salon du livre pour dédicacer son excellent ouvrage le samedi après-midi. Enfin un volet autour de l'agriculture avec « Que mangerons-nous en 2050 ? Quel avenir pour l'agriculture en 2025-2030 ? Quelle est l'origine de notre petit déjeuner ?» Finalement, un résumé du monde. C'est un autre collègue qui nous présentera cette approche. Le goût des autres pendant la guerre, quelles sont les représentations culinaires de l'ennemi, le vin. Nous aurons comme cela des sujets très variés au niveau de l'agriculture, l'agriculture biologique également. Oui, l'agriculture biologique qui... Avec une conférence de Marc Dufimier sur le sujet, le bio pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Oui, et ça c'est très important. Et la Picardie prend sa place aussi dans le bio. En effet. Parmi les partenaires, nous aurons Agriculture Biologique de Picardie qui participera à une table ronde qui nous fera un peu un état des lieux sur l'agriculture biologique qui progresse mais qui a encore du mal à pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Bien, il va vraiment y avoir pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, puisqu'on a aussi le volet sur le Picard, le volet sur la bande dessinée et aussi un volet sur Jules Verne. Ah oui, il ne faut pas l'oublier, lui. Il ne faut pas, en effet, l'oublier avec les voyages extraordinaires de Jules Verne, guerre d'indépendance et conflits coloniaux. Donc, c'est une autre approche, plus littéraire, un peu comme celle de Jacques Darras. Oui, bien. Donc, vraiment, là, je crois qu'il ne faut pas rater. Hein.
Là, ah là vraiment, c'est unique, c'est exceptionnel. Ah oui, c'est vraiment un moment exceptionnel. Voilà, le samedi 22 octobre à Amiens. Voilà. Alors bon, pour bon, les plus spécialistes, les professeurs, ça commence le mercredi 19. Oui. Voilà. Avec une conférence inaugurale du professeur Bernard de Vauchel sur les blessés de la face. C'est peut-être pas interdit à d'autres personnes qui voudraient aller écouter. Qu'ils nous contactent. Il reste quelques places disponibles. Qu'ils nous contactent puisqu'il évoquera les blessés de la face, les gueules cassées, de la Grande Guerre jusqu'à la première grève du visage qu'il a réalisée. Ah oui, oui, bien sûr. En plus, c'est à Amiens qu'elle a été réalisée. Et oui, cette par grève lui, du visage. Par lui et son équipe. Lui. Très, très intéressant. Et nous l'avons appris assez récemment que cette personne d'ailleurs était décédée. Oui, là, cette dame. Oui. Cette dame, en effet. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais petite, bon, on appelait les gueules cassées. Il y avait encore énormément de personnes qui avaient parfois un drôle de visage. Et on savait que c'était la guerre 14. Donc il nous expliquera comment la Première Guerre mondiale a apporté sa pierre à l'édifice, a contribué à l'amélioration des techniques chirurgicales, a déjà lancé des pistes pour arriver jusqu'à sa première greffe intégrale du visage. Et oui, parce que les guerres se servent de la science pour tuer, et bien en même temps, elles servent aussi la science. C'est en effet très paradoxal. C'est très très paradoxal. C'est terrible. C'est terrible. C'est absolument terrible. Et pour, lancer cette conférence, nous aurons un extrait d'un peu moins de 5 minutes qui va être diffusé. C'est un documentaire qui a été réalisé par Vincent Marie, qui est un historien spécialiste de bande dessinée, qui s'appelle « Là où poussent les coquelicots », documentaire qui va être projeté en avant-première le 14 octobre à Verdun. Et donc on voit au début de ce documentaire un extrait d'une bande dessinée de Tardy avec les explications de Tardy, où il nous montre justement qu'il s'est inspiré de photographies. On retrouve ce souci de Tardy, de coller au plus près de la réalité. On retrouve une photographie. À partir de cette photographie, il a dessiné un soldat. Et ce soldat qui a un sourire, un visage d'ange, il va être blessé. Ça va devenir une gueule cassée. Et c'est ce documentaire qu'on passera en avant-première en Picardie, là pour le coup, nous permettra de lancer la conférence inaugurale. Et oui, Tardy qui d'ailleurs avait fait une exposition à Péronne. Oui. Et vraiment, j'ai ces BD parce que je les trouve absolument superbes. Et Tardy a vraiment ce souci de coller à la réalité. Quand vous lisez une bande dessinée de Tardy, le canon correspond à un véritable canon que vous pourrez retrouver dans un musée. Oui, il a travaillé oui. Un peu comme Hergé. C'est vraiment l'idée, c'est pas la même démarche que par exemple Joe Sacco qui a réalisé une grande fresque sur la bataille de la Somme, fresque qui est exposée dans le nouveau musée de la nouvelle structure qui a été construite à l'entrée du mémorial de Thiepval. Oui. Et donc on a exposé sa fresque et lui, il a réalisé cette fresque mais pas avec le même travail. C'est un travail réalisé d'une manière différente en fait, plus sur la représentation, l'imaginaire qu'on pouvait avoir de la bataille alors qu'il ne s'était pas rendu dans la Somme. D'accord, d'accord. C'est une approche différente. Bon, et il faut dire aussi qu'effectivement, notre région a été tellement marquée par des quantités de guerres, parce qu'on est, mal placé. À chaque fois, on a droit aux invasions. En effet, puisque bon, on peut pas tout évoquer, hein, mais non. Nous aurons également les guerres de religion qui seront abordées. On parlera également des Picards qui sont partis se battre lors des croisades en Orient. Nous aurons comme cela d'autres aspects qui seront évoqués. Oui, c'est vraiment très très large. Très large, très riche, avec une volonté de mettre en avant. La Picardie, ce qu'on sait faire de mieux en Picardie, la recherche du point de vue, la recherche scientifique du point de vue de l'agriculture. Et les conférences qui seront données en histoire vont s'appuyer sur les dernières avancées de la recherche universitaire. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'être venu. Il a fallu que vous vous déplaciez, que vous veniez spécialement à Radio Puisalène pour nous Merci présenter. Beaucoup pour votre invitation. Je viens en direct de mon lycée. Et... Pour y retourner peut-être Non, pas tout de suite. Demain. Demain. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Et puis, j'en reparlerai la semaine prochaine, puisque lundi 17, ce sera juste avant.
Justement, en effet. Voilà, et je vous rappellerai hein, de retourner sur APSG Amiens 2016 pour avoir le programme. Et surtout, ne manquez pas samedi 22 Amiens avec tout ce qu'il va y avoir à faire dans toutes les directions. Je crois qu'il y a vraiment pour plaire à tout le monde. En effet. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, et puis à bientôt.